Jésus, tu ne me quitteras pas. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu restes à mes côtés et c'est tout ce qui compte. Vous savez, quand la gloire de Dieu ne devient pas le centre de ta vie, alors frère, tu n'es pas prêt à y entrer et vivre les bénéfices de sa gloire. Tu n'es pas prêt à y vivre. La gloire de Dieu veut bénir nos familles, veut bénir nos maisons, veut bénir nos bien-aimés. Ne laisse pas cette gloire passer. Ne laisse pas cette gloire passer. Tu ne me quitteras pas. One more time. Tu ne me quitteras pas. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu restes à mes côtés. Et c'est tout ce qui compte. Attaque. Tu ne me quitteras pas. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas. Oh, oh, oh. Tu restes à mes côtés. Et c'est tout ce qui compte. Même la stérilité ne peut pas changer ça. Tu ne me quitteras pas. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas. Changer ça. Tu ne me quitteras pas. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu restes. Dans sa présence, parle à Dieu.
Parle à Dieu. Prends le temps. Prends le temps de parler à Dieu. Prends le temps. Prends le temps de parler à Dieu ce matin. Prends le temps de parler à Dieu ce matin. Prends le temps de parler à Dieu. Prends le temps de parler à Dieu. Parle à Dieu, prends le temps de parler à Dieu. Sa présence nous inonde, sa présence nous inonde, sa présence nous inonde. Prends le temps de parler à Dieu. N'échoue pas ton entrée dans la présence de Dieu. N'échoue pas ton entrée dans la présence de Dieu. N'échoue pas ton entrée dans la présence de Dieu. N'échoue pas ton entrée dans la présence de Dieu. N'échoue pas ton entrée dans la présence de Dieu. N'échoue pas ton entrée dans la présence de Dieu. N'échoue pas ton entrée dans la présence de Dieu. N'échoue pas ton entrée. N'échoue pas ton entrée. Entre dans sa présence. Ne rate pas ton culte ce matin. Ne rate pas ton culte ce matin. Alléluia. Ne rate pas ton culte ce matin. Le bloma kana machende le bosha. Ye bele bolo 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 boshe. Ye mala mayanga le male boshe. Ye kele bosha le boyo bolo bosha. Ye mana la machende le bosha. Ye bolo bosha le boya kana mache. Ye mele bolo. La basse et la bachane et les brochades. Le calabaré et les brochades. Malabaré et les bossades et les bros. Les blamayens dans la masse et les brochades. Les belamana macano le bossé et les maillettes. Les manébéans et les masses dans les meillandos. Tu n'as pas les meillandos et les bossades et les bécanes et les bassins de la main. Alléluia. Acclame le Dieu qui règne dans les cieux. Tu peux faire mieux que ça. C'est à la gloire de Dieu que tu acclames. Non pas à la gloire d'un homme. Acclame ton Dieu de tout ton être. Acclame ton Dieu de tout ton être. Oh Dieu est merveilleux. Alléluia. J'ai envie de louer mon Dieu ce matin. Lui dire qu'il est bon. Est-ce que Dieu est bon pour toi ce matin? Alléluia.
Est-ce que Dieu est bon pour toi ce matin? Dieu est bon pour moi ce matin. I can feel it, je peux le sentir dans tout mon être. La grandeur de Dieu est réalisée dans tout mon être. Alléluia. Dieu est bon ce matin, dis à ton voisin, Dieu est bon pour toi. Alléluia, dis-lui Dieu est bon pour toi. Que Dieu te bénisse, invite ton voisin à acclamer avec toi et dis-lui, acclamons et asseyons-nous. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es, dis amen. Que Dieu te bénisse là où tu es, dis amen. Alléluia. Merci, Coran, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 28. Matthieu 7, verset 28. Matthieu chapitre 7. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7. Nous allons commencer à lire le verset 21. Lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et on a battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leur. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, amen. Ce texte des Saintes Écritures parle de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu comme étant quelque chose de fort important. Quand vous lisez ce discours, comme dit la Bible, la Bible enseigne que Jésus, en donnant ce discours, avait remarqué certaines choses sur la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il a fait remarquer certaines choses sur la volonté de qui? De Dieu. De Dieu. Est-ce que dehors vous me suivez? Il a fait remarquer certaines choses sur la volonté de Dieu. Il dit une chose très importante. Alléluia. Alléluia. Amen.
Je vois des places vides ici. Que ceux qui sont dehors entrent et s'asseyent. Ne laissez pas les gens dehors pendant qu'il y a des places vides à l'intérieur, s'il vous plaît. Il dit une chose très importante. Alléluia. Amen. Il fait remarquer que certaines personnes diront, N'avons-nous pas fait? Alléluia. Amen. 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 Donc, quand il dit n'avons-nous pas fait, il est en train de faire comprendre une chose très importante. Que la volonté de Dieu n'est pas liée à ce que tu fais pour Dieu, mais à ce que Dieu fait de toi. Celui qui vit la volonté de Dieu, ce n'est pas celui qui fait pour Dieu des choses, mais c'est celui qui fait, celui que Dieu, en qui Dieu fait des choses. Quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est que Dieu a commencé à faire en toi ce qu'il veut. Faire ce que Dieu aime ne veut pas dire que vous êtes dans sa volonté. Être dans la volonté de Dieu, ce n'est pas faire des choses qui plaisent à Dieu. Non. Être cuisinier, c'est travailler dans un restaurant. Mais celui qui est cuisinier à la maison ne sera jamais doté du titre de cuisinier. Votre épouse qui cuisine à la maison, on ne peut pas lui donner le salaire de cuisinier. Mais si la même épouse va travailler dans un endroit où on a signé un contrat, elle commence à être appelée comment? Cuisinière ou cuisinier, disons. Disons le métier comme ça. Cuisinière, ça fait bizarre. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, en tant que cuisinier, qu'est-ce qui fait que le monsieur qui travaille est appelé cuisinier? C'est parce que il est dans un endroit où il fait ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas parce qu'il cuisine. C'est pas parce qu'il sait cuisiner. C'est parce qu'il fait ce qu'on lui demande. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas la vôtre. Elle n'est pas semblable à la vôtre. Elle n'est pas en fonction de votre manière de réfléchir. Beaucoup de gens posent la question de savoir, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est l'exercice le plus compliqué que j'ai vu. Et j'ai compris que la volonté de Dieu est un grand enseignement qui fait que même les chrétiens dans l'église ont du mal à vivre la volonté de Dieu. Par exemple, ceux dans leur cœur aiment faire ce qu'ils veulent, mais pas ce que Dieu veut, ont du mal à vivre la volonté de Dieu. Cette nuit, pendant que je priais, Dieu m'a montré. Non, ce matin, pendant que je priais, Dieu m'a montré Papa André. Et depuis que je suis là, je suis en train d'essayer de le regarder pour qu'il me regarde. Papa André, venez. Je suis arrivé ce matin. Je vous ai salué. Je vous ai regardé, j'ai souri. Chose que je fais rarement. Et j'ai demandé encore qu'on vous fasse signe. Je vous regarde pour vous faire signe. Vous savez pourquoi? Ce matin, Dieu m'a parlé de vous. Mais depuis que je suis sur l'estrade, je n'arrive pas à le dire parce que je n'arrive pas à vous voir. Dans la volonté de Dieu, il y a un mystère. Ce matin, je vais expliquer et après je te parlerai de ce que Dieu a prévu pour toi. D'accord? Dieu bénisse Papa André. Acclame Dieu pour Papa André. Amen.
Dieu va le bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Beaucoup de gens ne savent pas comment vivre dedans. Le thème de ce matin s'intitule « Ne touche pas à la volonté de Dieu ». Pourquoi on dit ça? La plupart d'entre nous, nous manipulons la volonté de Dieu. Nous manipulons la volonté. Les gens qui manipulent la volonté de Dieu font ce que Dieu aime sans faire ce que Dieu dit. Les gens qui manipulent la volonté de Dieu, quand ils veulent l'argent ou les bénédictions, ils peuvent apporter une grosse offrande à Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut manipuler le programme. On n'a pas le pouvoir de toucher à la volonté de Dieu, de manipuler la volonté. Et je vais vous montrer dans la Bible quelqu'un qui a manipulé la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, ici ce matin, vivent ce qu'eux pensent être la volonté de Dieu, mais pas ce que Dieu a décidé pour eux. Alléluia, somebody. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alors, la volonté de Dieu, ce matin sera l'enseignement de quelqu'un. Et quand vous allez écouter cet enseignement, vous comprendrez que la volonté de Dieu, ce n'est pas un endroit où tu arrives. C'est un endroit où tu vas. Et on y va étape par. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Étape par. C'est-à-dire, vous allez comprendre ce matin qu'il y a différentes volontés de Dieu qui nous emmènent jusque à la volonté de Dieu. Et si vous ne savez pas ces choses, vous allez toujours vous dire, mais Dieu m'avait dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Amen. Jésus a dit dans son message qu'il dira ouvertement à certaines personnes au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Donc, pendant longtemps, tu peux croire que Dieu est avec toi. Mais au ciel, tu arrives à la porte, il te dit ouvertement, tu n'as jamais fait ma volonté. Et là tu lui dis, non mais j'étais dans ceci, j'ai construit l'église, j'étais au partenariat. Tout ce que vous dites là, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles ce matin. Parce que ce message peut ouvrir le ciel. Et celui qui ne comprend pas ce message peut lui fermer le ciel. Jésus a dit que celui qui comprend sa volonté sera comme une maison bâtie sur le roc. Quelqu'un me suit? Amen. Mais si vous ne comprenez pas, les problèmes viendront. Ça va vous balloter. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais lorsque tu comprends la volonté de Dieu, alors, c'est alors que ta maison est bâtie sur le roc. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. Vous êtes prêts à écouter ce que Dieu a prévu pour vous? Amen. Pour nous. Dis avec moi trois fois amen. 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 La volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un cible trois choses. D'abord, la volonté de Dieu pour l'homme. Il y a d'abord la volonté de Dieu pour l'homme. C'est-à-dire, Dieu a sa volonté pour vous. Pour toi, l'homme. Alléluia. Amen. Cette volonté cherche ton bien-être sur la terre. Il existe aussi la volonté de Dieu pour les hommes.
C'est une volonté que Dieu a pour plusieurs personnes. Pour un peuple, pour une nation, du genre, Dieu peut vouloir bénir le Congo. C'est sa volonté pour les hommes. Avant, on avait dit la volonté pour l'homme, toi. Et la volonté pour toi, là, c'est ce que Dieu veut pour toi, pour ton bien-être. Après, il y a la volonté pour les hommes. C'est pour plusieurs personnes à la fois. Et enfin, il y a la volonté de Dieu pour Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu, dans sa volonté, il y a des choses qu'il veut, pas pour te faire plaisir, mais pour son propre programme. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez confondre la volonté de Dieu pour vous à la volonté de Dieu pour les hommes. Vous allez confondre la volonté de Dieu pour les hommes à la volonté de Dieu pour lui-même. Et je vais expliquer ça ce matin. J'entends quelqu'un dire alléluia. Amen. 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 Lorsque Dieu a sa volonté pour lui-même, il ne vous pose pas la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quand Dieu manifeste sa volonté pour lui-même, c'est à ce moment-là que la vie d'un homme sur terre commence à changer. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez quoi? Et vous le verrez quoi? S'accomplir. Bien. Quand Dieu a dit ça, il parlait de la volonté de Dieu pour qui? Pour l'homme. Maintenant, Dieu a remarqué que la plupart des hommes, quand ils prient, ils ne demandent pas les choses à la hauteur qu'il a prévues. C'est alors que Dieu va ajouter dans le livre d'Éphésiens que lorsque vous priez et demandez, il dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de même de ce que nous demandons. Alléluia. Amen. Qui a compris? Dieu a dit ça parce qu'il a remarqué que les hommes, même quand ils cherchent à demander à Dieu de faire la volonté pour eux, les hommes demandent un peu. Alors Dieu a dit, il faut que je les exauce infiniment au-delà de ce qu'ils pensent et même demandent. Parce que même ce à quoi tu penses, pour le demander à Dieu, tu peux manquer les mots qu'il faut pour expliquer ce que tu penses. Ce à quoi tu penses. Oui ou non? Alors Dieu a fait qu'il exauce nos prières infiniment au-delà. Ça veut dire quoi? Il exauce ta prière selon sa volonté pour lui-même. Parce que s'il te suit, tu appelleras riche toucher 1 000 $. Or lui, quand il a dit tu seras riche, il ne parlait pas de 1 000 $. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour éviter toutes ces bêtises dans le destin. Que le thème de ce matin est un exaucement. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Ce matin, nous voulons vous expliquer comment est-ce que vous devez laisser la volonté de Dieu arriver. Un homme, quand il naît, il est bébé dans les mains de sa maman, mais il doit vivre la volonté de qui? De Dieu. Comment vous allez faire en tant qu'être humain pour entrer dans, arriver à vivre quoi? La volonté de
de Dieu. Dis avec moi, amen. Amen. Je reprends. Amen. La volonté de Dieu. Ce sont des étapes. Étape par étape. Dieu voulait envoyer Jésus sur la terre, oui ou non? Oui ou non? Oui. Mais avant que Dieu n'envoie Jésus, il a envoyé le Père, les ascendants de Jésus, donc David et tout ça, pour préparer l'arrivée de Jésus. Si quelqu'un veut aller vivre la volonté de Dieu, amen. Amen. Il doit comprendre que ça part d'étape en étape. Le but de ce message, c'est vous emmener à arriver à vivre la volonté de Dieu pour lui-même. C'est que lui l'a prévu et que ni ta tante, ni même toi-même ne peut pas penser vivre ça. Tu peux pas. Dis à ton voisin, même si tu aimes Dieu, tu ne peux pas penser à ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Malheureusement, l'homme, quand il veut parler, il vous regarde. Donc, il voudra parler à Dieu en fonction de ce qu'il a vu chez les autres. Alors, Dieu, pour éviter ça, vous invite ce matin à écouter attentivement les pas que vous allez poser pour entrer dans sa volonté que lui-même a décidé pour vous. Lui-même, pour sa propre gloire. Premièrement, la première chose qu'on fait pour aller vivre la volonté que Dieu a décidé pour sa propre gloire, c'est vivre dans la volonté existentielle de Dieu. Cette volonté, nous tous, on a accompli ça. La volonté existentielle, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu qui t'a emmené d'exister. Qui a accompli cette volonté ici? Amen. Nous tous. Tant que tu vis, la Bible dit quoi? Tant que tu vis, tu as encore quoi? De l'espoir. Cet espoir-là, c'est quoi? C'est une autre volonté que tu ne connais pas, mais que Dieu va te révéler. Mais au début déjà, le fait d'exister, tu es déjà dans la volonté. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous méprisez la volonté existentielle. Je veux vous expliquer une chose. Lors de la naissance de Jésus, il a fallu tuer plusieurs enfants pour l'éviter de naître. Parce que Satan sait, la guerre doit être gagné avant que tu n'existes. Mais si tu existes, il perd déjà une bataille. Je dis à quelqu'un ceci: tu as déjà gagné une bataille. Pour que tu naisses de ta mère, tu ne connais pas le nombre de démons que tu as vaincus. Vous méprisez votre existence. Vous dites: qu'est-ce qui m'arrive? La première chose qui a fait que Job souffre longtemps dans sa souffrance, c'était quoi? Le jour où Satan l'a frappé, il a maudit le jour de sa naissance. Lorsque tu maudis ta naissance, tu rejettes la volonté existentielle. En maudissant la naissance, c'est quoi? Moi, je suis venu ici pour accompagner les Vous comprenez autres. Ces phrases-là? Des phrases qui maudissent ton existence. Toutes les phrases que vous dites qui maudissent votre existence allongent votre souffrance. Quand vous dites: ma mère, ngai vraiment soki na botama na famille mususu. Si au moins j'étais dans notre famille. Vous maudissez votre existence. Naître d'une maman pauvre ne fait pas de vous un moins existant. Tu existes comme nous tous.
tu as gagné comme nous tous. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que l'on commence, on ne frappe pas. Quand le soleil se lève, il n'a pas diminué son feu. Mais vous sentez moins son feu. Parce qu'il vient de commencer. Alléluia. Quand on commence, on ne ressemble à rien. La Bible appelle ça, la Bible dit, ne méprisez pas. Ne dites pas. Ah non, j'étais seulement fâché. J'étais fâché, c'est pourquoi j'avais dit na bota matana maman me souci. Non, tu as maudit ta naissance. En maudissant ta naissance, tu allonges ta souffrance. Analysez bien le livre de Job. Quand Dieu a exaucé Job, Dieu a dit à Job, qui êtes-vous pour obscurcir mes programmes, mes desseins? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ma volonté. Toi, tu obscurcis ma volonté. Comment? En maudissant ta naissance. Quand tu maudis ta naissance, c'est comme si tu as pris un tissu, tu as mis au-dessus de ta volonté, de la volonté de Dieu. C'est comme si tu te dis que toi là, tu n'as pas de suite. Tu renies le programme futur de Dieu. Donne-moi ta date de naissance. Non, on dirait que tu ne connais pas ta date de naissance. Donne-moi ta date de naissance. Dis à ton voisin, n'oublie pas ta date de naissance. Demande à ton voisin, donne-moi ta date de naissance. Dis à ton voisin, béni soit le jour où tu es né. Car en ce jour-là, une étoile est venu. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Si à la naissance de Jésus, on a vu une étoile, ne pensez pas que parce que toi, quand tu nais, on ne voit pas d'étoile, ça veut dire qu'il n'y a pas un signe. Il y a un signe à la naissance de chaque être humain qui démontre que quelqu'un de particulier est arrivé. Je suis arrivé le 28 avril. Donne-moi ton... Ah, tu as tout compris. Tu as tout compris. Amen. Je suis arrivé le 28 avril. Là, mais dis à ton voisin qu'il sache. Dis à ton voisin quand est-ce que tu es arrivé. Quand est-ce que tu es arrivé. Quand est-ce que tu es arrivé. La date de naissance de chacun définit les années qui nous sont particulières. En quelle année sommes-nous? Non. Nous sommes dans l'année de ton âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, 2019, oh non, mon clarté. C'est 2019, je ne vois moi, pas. Moi, je ne suis pas là. Moi, je veux dire, dans 42 ans, oh non, mon clarté. Non, non, dans 35 ans, non, mon clarté. Parce que c'est mon année. Pour Esamboula, non. Non, mon 41, oh clarté. Dans ce moment, 27 ans, clarté. Quand tu commences à dire ça, ce qu'on m'a dit, tu verras que ta bonne année n'est pas la bonne année des autres. Tiens, amène bien. Amen. À partir d'aujourd'hui, sache que la volonté que Dieu a pour toi commence par ta reconnaissance à toi de ta volonté. La volonté quoi? Existentielle. Donne-moi ta date de naissance. Un jour béni. Donne-moi ta date de naissance. Un jour de gloire. Donne-moi ta date de naissance. Un jour de succès, donne-moi ta date de naissance. Un jour d'élévation, donne-moi ta date de naissance. Un jour de grâce, on entre. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Pourquoi tu dois recevoir tout ça? Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. À chaque fois qu'une chose existe, elle vient avec quoi? La gloire, l'honneur, la puissance. Donne-moi ta date de naissance. Un jour d'honneur à l'Éternel. Donne-moi ta date de naissance.
un jour de gloire à l'Éternel. Donne-moi ta lettre de naissance. Un jour de puissance à l'Éternel. Au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut commencer à faire. Vous allez réduire les années de souffrance et allonger les années de bonheur. Alléluia. Amen. Après avoir compris cette volonté de Dieu, passez à la deuxième volonté. La deuxième volonté, la volonté du salut. Là, ton voisin, écoute. Quand tu as existé, tu es déjà dans la volonté de Dieu. Mais après ça, pour que tu arrives jusqu'au fond là-bas, du programme de Dieu, la deuxième chose, entre dans la deuxième volonté. La deuxième volonté de Dieu, c'est la volonté du salut. Ça veut dire quoi? Le livre de 1 Timothée 2, verset 4 dit ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, il le veut. C'est quoi? Sa volonté. Qui a compris? Amen. Alors, si maintenant Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et toi, tu ne vis pas déjà ça, comment tu peux devenir ce que Dieu a prévu? Si tu ne peux pas vivre une volonté prévue pour tous les hommes, comment vivras-tu une volonté prévue pour toi-même? Alléluia. Amen. Vous cherchez à oublier Dieu. Vous voulez mettre les choses de Dieu à côté. Ne pas donner votre vie à Jésus. Mais vous vous mettez vous-même en danger. Parce que pour que la volonté précise de Dieu pour ta vie s'accomplisse, tu dois d'abord vivre ce que tout le monde vit. Dis à ton voisin. Alléluia. Avant d'être le roi d'Israël, David devait être un Israélite. Qui a compris? Amen. Tu ne peux pas devenir le roi particulier si tu n'es pas d'abord devenu Israélite. Tu ne peux pas devenir le roi si tu n'es pas d'abord de la famille d'Isaïe. Tu dois déjà être dans la volonté qui se fait chez tout le monde pour que Dieu te montre ta volonté à toi. Si tu ne te convertis pas, donc oso vivre le konzamba bongisi li batu nyonso te. Tu n'es pas en train de vivre ce qui est prévu pour toi. Alors si nzamba nya sali loko moko ya spécial kakapo na yo. Alors si Dieu a promis de faire quelque chose de spécial, ko sale maté. C'est l'intérieur. Parce que tu ne vis pas ce qu'il a prévu pour tout le monde. Qui a compris cela? Acclame le Seigneur. Troisièmement, quand tu as commencé, tu as existé, première volonté, nous tous on a vécu ça. La deuxième volonté, ce n'est pas nous tous. Il y a des gens qui s'accueillent Jésus et d'autres servent Dieu. D'autres donnent leur vie à Jésus. Alors, après avoir existé, passe à la deuxième étape. Né de nouveau. C'est une volonté pour tout le monde. Troisième étape. Que dit la Bible? La Bible nous enseigne que la troisième volonté de Dieu, c'est la volonté de la parole de Dieu. La volonté de quoi? Parole de Dieu. La volonté de quoi? Parole de Dieu. Très bien. La volonté de la parole de Dieu, c'est la volonté qui est conditionnée par le respect de la parole. Ça veut dire quoi? Il y a la volonté. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il y a des choses Dieu pour les faire. C'est-à-dire qu'il te dit j'ai la volonté, mais
pour y arriver, toi respecte d'abord la parole. La volonté de la parole de Dieu, troisième étape. Alléluia. Amen. Papa, écoutez-moi très bien. Papa, avant que Dieu descende pour te parler à toi seul, le programme qu'il a pour toi. Un, accepte d'abord le jour où tu es né. Deux, né de nouveau. Trois, respecte sa parole. En respectant sa parole, tu fais sa volonté, la volonté de sa parole. Écoutez-moi bien, la Bible dit ceci. La Bible dit, Deutéronome chapitre 15, verset 4. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Deutéronome 15, 4. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. L'Éternel te fera quoi? Te bénira. Dans le pays que l'Éternel te fera posséder en quoi? En héritage. Dans les Saintes Écritures, il y a des choses. Vous pouvez me donner la suite du verset? Vous ne l'avez pas? Il y a des choses qui, pour qu'elles se fassent, il faut nécessairement le respect de la parole. Je vais vous lire la suite. Alléluia. Amen. Dis avec moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. Si déjà la volonté que Dieu décrit dans sa parole, tu n'es pas en train de la vivre. Écoutez le verset 5. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement, pas à peu près, mais comment? Soigneusement, en pratique, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, les commandements. Dans le temps de Moïse, c'était la Bible. Si tu ne respectes pas comment? Soigneusement. Ça veut dire quoi? Ne choisis pas l'un et laisse l'autre. Qui a compris? Amen. Je peux sortir avec les filles, mais je ne bois pas. Soigneusement. Avec soin et précision. Qui a compris? Amen. Si maintenant tu ne respectes pas cette volonté-là, la volonté de la parole de Dieu, Dieu ne peut pas t'expliquer sa volonté précise pour toi. Parce qu'il dit, ça je t'ai déjà dit, c'est écrit. Tu ne fais pas. Maintenant, ce que je ne t'ai pas encore dit, si je te le dis, est-ce que tu le feras? Non. Ce n'est pas Dieu qui a refusé de vous dire sa volonté. C'est le fait que papa, tu t'énerves trop. Tu es méchant avec les gens. Et tu parles mal des églises. À cause de ce comportement, Dieu se dit, lui, je lui ai déjà dit de ne pas faire. Mais il fait. Maintenant, si je lui dis de faire, il ne fera pas. Lui, je lui ai déjà dit de ne pas faire. Mais il fait. Maintenant, si je lui dis de faire, il ne fera pas. C'est-à-dire, moi, Dieu, je lui ai dit, ne pêche pas. Lui, il pêche. Quand maintenant, je vais lui dire, deviens grand, il fera le contraire encore. Le jour où vous allez vous asseoir devant Dieu, vous allez être surpris comment il va te dire, mais tu étais où depuis longtemps là? Je te cherchais. Lisez bien votre Bible. Quand Adam pêche, qui cherche l'autre? Dieu. Dieu nous cherche toujours. Mais je l'avais mis ici. Il devait aller loin. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Vous voyez? Dis à ton voisin, la volonté de sa parole. La volonté de sa parole. Si tu retiens tout et tu ne veux pas pratiquer la parole,
Je vais dire ceci. Ces volontés que je vous dis là, c'est l'ordre à suivre. Tu ne peux pas intervertir l'ordre. Avant de respecter la parole, il faut naître de nouveau. Avant de naître de nouveau, il faut exister. Après avoir existé, naître de nouveau. Après naître de nouveau, respecte la parole. C'est après cette volonté de la parole que vient la quatrième volonté. La volonté révélée. Ce que vous appelez la prophétie. La volonté révélée, c'est le message clair qui commence à vous dire ce que Dieu veut faire. Maintenant, ce message de la volonté révélée, si ça vous a trouvé que vous ne respectiez pas la volonté de la parole, ce message révélé ne peut pas s'accomplir. Parce qu'il sait que lui vient après la volonté de la parole. Et la volonté de la parole, c'est que même si tu me respectes, mais tu n'as pas eu Jésus, il y aura du mal que je te bénisse d'après la parole. Parce qu'il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Alléluia. Amen. Qui a compris? Je répète, c'est l'ordre que Dieu a dit de suivre. La volonté révélée. David était quelque part. Calme. Un homme arrive. Lui dit, toi là, viens. On le fait venir et on lui dit que tu seras le roi d'Israël. C'était une volonté révélée. Alléluia. Amen. Samuel a prophétisé clairement sur la volonté de Dieu pour lui. Les prophéties, ce n'est pas la blague. Que dit la Bible? La Bible dit qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'interprétations particulières. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une prophétie, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Quelqu'un me suit? Amen. Mais une volonté qui a été révélée. Si cette volonté-là a trouvé que tu ne respectes pas la volonté de la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Le pasteur peut avoir l'onction d'imposer les mains, les pieds, s'asseoir dessus. Tu ne vivras pas la volonté révélée. Dis avec moi, volonté révélée. Volonté révélée. J'ai un avertissement à vous donner. Le livre de Luc 12, 47 dit ceci. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître. Écoutez ça très attentivement. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître. Alléluia. Amen. Et n'a pas agi. Bongo a salité. N'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Sera quoi? Battu d'un grand nombre de coups. Papa, suis-moi. Maman, suivez-moi. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas connu la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Tu es un frère en Christ. Dis à ton frère à côté de toi, écoute-moi. Tu es un frère en Christ. Tu connais ce que Dieu veut pour toi? S'il te dit oui, demande-lui, as-tu déjà entendu une prophétie sur toi? Si quelqu'un a entendu la volonté de Dieu, mais qui ne s'est pas préparé, ou qui n'a pas agi selon sa volonté, que dit la Bible? Ok, ça veut dire quoi? Quand vous méprisez ou vous ne vous comportez pas comme Dieu attend de vous d'après la prophétie que vous avez reçue, Dieu autorisera que les problèmes vous arrivent. Pour vous donner, comment? Un grand nombre de coups. Pas un peu, un grand nombre. Frère, dis au frère là de venir. Alléluia. Amen. Viens ici. Dépêche-toi. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si vous êtes là en bas, amen. Amen. On vous dit monte, tu ne veux pas. On fait monte, on te tape, monte. Allez, monte. Si ça commence à te faire mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter. Il y a des gens. Et ça n'a pas. La volonté que tu as pour vous, il vous l'a révélé. Mais vous ne voulez pas vous préparer. Bon, il va commencer. C'est-à-dire, il va te laisser face à des coups de la vie. Des coups de la vie qui t'emmènent à ma ngengenge. Je me suis dit. Amen. Quand sa volonté pour toi est de devenir un homme de Dieu, toi tu dis, Dieu, on m'avait déjà dit que j'allais être un homme de Dieu, mais je ne sais pas comment ça va arriver. Ce n'est pas la sagesse, c'est l'idiotie de la foi. Car tu es censé te préparer et agir en fonction de ça. Vous me suivez? Amen. Quand on t'a dit ça, tu ne veux pas ça. Alléluia. Ou tu ne te prépares pas. Dieu va t'apprendre la prière. Comment? Il enlèvera sa présence. La nuit, Satan vient. Tu te réveilles. Ibisi. Nanyati. Tout ce que tu fais là, c'est la formation. Un grand nombre de coups. Tu auras un grand nombre de coups. Dieu vous a dit. Vous deviendrez un grand homme. Vous priez une heure par jour. Mais tu as des problèmes. Tu auras un problème dans ton foyer, dans tes affaires, qui vont te faire passer la nuit à l'église. Un grand nombre de coups. Mon mari, pourquoi il est comme ça? Tu sais pourquoi il est comme ça? Un grand nombre de coups. Mais ma femme, un grand nombre de coups. Un grand nombre de coups. On vous avait dit quand vous étiez jeune. Yo, toi, tu seras la femme de son fils. Depuis que tu as des enfants, tout ce que tu fais avec tes enfants, c'est la télé. TV, game, play. Quoi encore? Voyage, Dubaï, tu reviens. Vous n'entrez jamais. Dieu va te dire, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ah, un grand nombre de coups. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant s'est réveillé avec la fièvre. Pour que tu fasses quoi? Ramazou Katabaha. Hein? On t'a dit de prier. Tu ne veux pas? Un grand nombre de coups arrive. C'est pourquoi? Quand on a des gens dont tu la volonté révélée. Amen. Qui a compris? Amen. Dis à ton voisin un grand nombre de coups. Toi, tu dis pas bien. Moi, je fais comme ça. Un grand nombre de coups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu vis. Un grand nombre de coups. Remarque, jusqu'à ce que ça va sortir comme Dieu veut que ça sorte. Toi, tu pries, Seigneur, bon Dieu. Dieu de toute grâce, infiniment varié. Attends, c'est là. Attends, c'est là. Un grand nombre de calabres va t'apprendre à prier. Et un soir, pendant que tu pries, la télé est meilleure encore dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait ça? Un grand nombre de calabres. Vous avez compris? N'attendez pas les coups. Parce que ça peut laisser des cicatrices. Acclame Dieu. Cinquièmement. Donc je réponds. L'histoire commence. On cherche à vivre quoi? La volonté de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Toi aussi? Moi aussi. Ça commence où? La volonté d'exister. On existe. On ne doit jamais maudire le jour de notre naissance. Deux. Il faut la volonté du salut. On doit naître de nouveau. Amen. Si je n'entre pas dans cette volonté d'être sauvé, Dieu ne pourra pas me faire des choses précises.
Après ça, je dois arriver à faire la volonté de la parole. Et ils ont qualifié yo. Ça te qualifie à devenir capable d'écouter le programme précis. Tu es dans la volonté de la parole. Quand tu respectes la parole, tu entends quelqu'un te dire, l'Éternel m'a dit. Vous allez remarquer que le prophète Samuel est venu. C'est Samuel qui est venu voir David, non? Samuel est venu voir David après que David ait cherché Dieu lui-même dans le désert avec les brebis. Samuel Ayasima David Sialuka Kanzambe. Alléluia. Les psaumes 23 que vous lisez là. Alléluia. Amen. Il était déjà en train de chercher Dieu avant que le message révélé vienne. C'est pourquoi je veux dire une chose. Vous qui ne connaissez pas Dieu et à qui on donne des prophéties, vous êtes en danger. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Il y a un grand nombre de beaucoup d'attentes. Donc, respecte la parole. Après ça, tu vas voir, Dieu va commencer à te révéler maintenant des informations. La volonté révélée. Après la volonté révélée. 5. C'est la volonté réservée. Dieu me parle beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il t'a déjà dit ce qu'il veut te dire. Vous-même les hommes, il vous arrive de regarder quelqu'un de dire, j'ai des choses que je voulais te dire, mais un autre jour. Oui ou non? Et Dieu. Tu viens tous les jours là, Nzambe tata, na commission à ton. Je t'ai béni. Tu sors. Tu veux Zambé Tata, séminaire au Monte Kita. Tu vas là-bas, Monte Kita. Tu es arrivé là-bas, le feu descend. Tu dis, ah, Dieu me parle. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Ça devient sérieux. On est en train d'entrer dans cette fameuse volonté. Ça vient. Ça vient. Parce que tout ce que je dis là, tu es d'abord un homme ordinaire. Tu vas voir, il y a beaucoup de gens. Nasia Yokali Sagoli. Qui lève sa main, s'il vous plaît. Si tu as entendu une prophétie, tu as vu comment on est nombreux. Ça là, c'est pas terrible. On y arrive. La volonté réservée. 1 Corinthiens 2:9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille. Et qui ne sont point montés. Même si tu as réfléchi, comment tu n'as jamais pensé à ça? Des choses que Dieu a préparées pour tout le monde. Pour tout le monde. À qui? Cette volonté réservée, c'est une volonté qui est cachée, mais qui peut s'ouvrir si tu montres à Dieu une attitude qui va le pousser à être avec toi dans un amour débordant. C'est-à-dire, tout le monde aime Dieu d'une certaine manière, mais toi tu fais plus. Quand tu fais plus, tu entres dans la volonté réservée. La Bible dit, Dieu a réservé ça à ceux qui l'aiment. Quelqu'un me suit? À ceux qui, ce n'est pas à tout le monde. Donc, quand tu causes avec Dieu, il y a solo, une heure. Ça vous est jamais arrivé de parler avec quelqu'un, papa, maman, dites-moi, ça vous est jamais arrivé de parler à quelqu'un pendant une heure sans lui dire qu'il t'énerve? Ça vous est jamais arrivé? Une tante, il y en a qui disent non, c'est pas grave, vous êtes spirituel. Une tante arrive à la maison. Vous avez envie de lui dire quoi? Mais à chaque fois qu'il n'y a plus de ma solo, tu entends seulement. Après, quand ça se tasse, ça se calme, tu entends encore. Bonibana. Là, maintenant, toi, tu dis, ah, elle l'a vraiment.
Ça vous est déjà arrivé, oui ou non? Yo. Comment vous faites, vous les humains, d'être capables de parler, même rire? Il y a solo. Oh, oh, ah bon? Je vous offre quelque chose. Quand tu vas dans la cuisine, tu sors. Oh, Mélanie. Comment vous arrivez à avoir cette capacité-là? Imaginez le Dieu créateur. Lui, il n'est pas comme vous qui se moque. Qui chola dans le sens de Kochola. Mais lui, il se moque. Je ne connais pas le mot qu'il faut. Donc, Dieu, la Bible dit dans le livre de Proverbes 1, Dieu peut se moquer de toi. Ça veut dire, il dit ceci: je vous appelais et vous ne m'écoutiez pas. Je vous ai dit d'abandonner le mal. Vous ne m'écoutiez pas. La Bible dit: au jour du malheur, je me moquerai de vous. Vous croyez que quand vous faites ça, vous entrez dans la cuisine, vous sortez, vous croyez que c'est venu d'où? Dieu, tu peux lui parler. Lui te dit: laisse la femme là. Mais toi, tu lui parles toujours dans le sort de papa dans ton église. Quand tu emmènes l'argent, il prend. Il te dit même: je te bénirai, je ferai prospérer tes affaires. Alléluia. Mais il te dit: laisse la femme là. Là, tu fermes l'oreille. Il t'attend. Un jour, il va prendre, la Bible dit: et je te parlerai ouvertement. Tu avais cru que parce que j'étais resté silencieux, Esaïe 50, j'approuvais tes voix. Non, je te parlerai. Attention, frère. Attention, le Dieu qu'on sert là, si vous ne suivez pas les étapes, vous allez le voir vous parler des choses ou encore se taire. Vous aurez l'impression qu'il aime ce que tu fais. Il n'aime pas. Mais tu ne lui donnes pas encore l'occasion de te parler. Quelqu'un, monsieur? Amen. Hello. Amen. Non, ne soyez pas triste. Si vous êtes triste, repentez-vous seulement. Hein? Alléluia. Amen. Il y a encore des meilleures choses qui arrivent. Alléluia. Amen. La volonté réservée de Dieu. Maman, pourquoi on souffre à la maison? Et toi, et les enfants, vous n'avez pas la réponse. Dieu vous regarde. Moi, j'ai la réponse. Mais votre maman refuse de balayer l'église. À cause de ça, j'ai réservé la suite. Je ne veux pas dire. J'aime ce silence. Vous commencez à comprendre que vous êtes resté dans la volonté révélée. Là, les nombres de gens commencent à diminuer. Alléluia. Amen. Il y avait moi, amen. Amen. David écoute une volonté révélée. David, et après, il entend: celui qui tuera Goliath épousera la fille du roi. C'était une chose réservée. Personne n'est allé là dire: je dois augmenter des niveaux. J'étais dans les niveaux des mais choses. Comme ça, on a réservé ça à celui qui tuera Goliath. Et vous allez voir que c'est ça qui l'a emmené. Étape par étape, il montait les volontés de Dieu. Il a reçu le message révélé. Il est entré dans le programme réservé. Dit Joseph. On a dit: celui qui interprétera le songe du roi. Il y a quelque chose qui est réservé. J'entre. C'est un endroit où il faut connaître Dieu pour que Dieu t'ouvre ça. J'espère que Dieu va vous faire comprendre ces choses.
pas dans la volonté réservée. Vous savez c'est quoi? La qualité de vos amis. Vous avez des amis d'un petit niveau. Ils vous font croire que vous êtes arrivé. Du coup, quand toi tu leur dis, tu toucheras 1500. Moi je touche 1500. 2000. Ils font. Mais il y a des endroits. Quand tu dis, mes affaires me donnent 2000. Oh là là. On vous aide à s'en sortir. Tu fais comment pour t'en sortir? Ouais, c'est ça. Tu fais comment pour t'en sortir? 2000. Il y a des endroits. Quand on commence à parler de 5 000 $, on ne fait plus 5 000. Non, on dit. Quand on dit, c'est combien? Il y a des endroits où on ne pose même plus la question. C'est combien? Tu sais pourquoi tu poses la question? C'est combien? Délimité. T'as peur de ta carte bancaire. T'as peur de ton portefeuille. Ta poche a des précisions sur la taille qu'elle peut encaisser. Ok, monsieur. Et du coup, tu es. C'est combien? Et ça combien? Il y a des choses que Dieu te réserve qu'il veut te dire. Il y en a quand ils entrent. Non, chérie, prends tout, je vais payer. Il va boire. Toi, ton mari, dès que tu prends, il est là. Toi aussi. Quand tu vois ça, sors du magasin et dis, on dirait que ça c'est pas ce que tu m'as réservé. C'est comme si ce n'est pas. Je vais te chercher. Parle-moi des choses cachées que tu m'as réservées. Qui a compris? Ce n'est pas emmener le truc là. Comment on appelle ça? De menu. Toi, tu bloques toujours les pages pour aller au dessert. Les desserts. Jamais le plat de consistance. Tu dis même, pas cher. Hein? Alléluia. Amen. Tu ne cherches que le charme. Alléluia. Amen. C'est ça, bénédiction. Choses qui te sont réservées que Dieu veut te dire. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mon oreille. Seigneur, ouvre mon oreille. Alléluia. Amen. Après avoir existé, cru en Dieu. Après avoir vécu ces choses-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je respectais la parole. J'ai quoi d'autre? J'ai reçu des messages révélés. J'étais révélé. Dieu me donnera des messages qui sont réservés. Dis amen bien. Amen. Dis 6. Dis à ton voisin 6. On était dans les messages réservés. La volonté souhaitée. Vous avez déjà lu la Bible dans 3 Jean 1-2. 3 Jean, disons, verset 3 Jean chapitre 1, verset 2. Il y a quel chapitre? Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai une question à vous poser. Qui a dit ça? Dieu, c'est pas Dieu. Verset 1. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Qui est en train de dire ça? Jean. Yohan. Qui écrit à qui? Agaïus. Il dit quoi, Agaïus? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Qui a dit ça?
Jean. Dis avec moi trois fois la volonté souhaitée. Ça veut dire quoi? C'est une volonté qu'un homme de Dieu désire pour toi. Et ça t'arrive. Ça devient volonté de Dieu pour toi. Dieu dit quoi? Je suis derrière la parole de mes serviteurs pour les exécuter. Mais ça ne fonctionne pas chez toi. Il faut avoir existé, avoir donné sa vie à Jésus, être sauvé, respecter la parole, recevoir déjà une prophétie avant, pour que cette parole-là touche la prophétie, selon les écritures que tu respectes, et t'aide à constituer ta foi pour que ton existence ait un sens. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Donnez-moi les papiers, on va faire comme je vois sur le pasteur Marcelin faire ça. Donnez-moi des papiers d'indicateurs. Vous écrivez les volontés, hein. Toutes les volontés, rapidement. Frère, alléluia. Amen. Quand un homme de Dieu te voit, il dit, je souhaite que tu prospères. Ça veut dire quoi? Ça dépend de la relation que tu as avec lui. Il y a des volontés de Dieu qui ne souffrent que quand tu fais plaisir à un homme de Dieu. Va jeûner comme tu veux. Insulte les pasteurs. Rendez-vous à ton destin. Tu n'entreras jamais dans certains endroits. Parce que ça ne souffre que dans la bouche des hommes. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Venez, frère. Venez le nombre de personnes. Six personnes. Que les frères viennent. Montez sur l'estrade. Exister, la volonté existentielle. Être sauvé, la volonté du salut. Respecter la parole, la volonté de la parole. Recevoir la volonté révélée, une prophétie. Entrer dans les choses qui te sont réservées, parce que tu as trop aimé Dieu plus que les autres. Malgré la prophétie, tu as attaché, tu te prépares à cause de ça. Il commence à te dire les choses qui t'avaient réservées. Quand tu entres là, tout homme de Dieu que tu vas rencontrer va commencer à te parler de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a réservé. Il va affecter ta vie, emmener la prophétie de s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui honore les Écritures. Cette prophétie qui fait que Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie parce que tu honores les Écritures ne va pas t'empêcher de perdre ton salut. Et ce salut va donner un sens à ton existence. Qui a compris? Ton existence n'aura pas de sens si tu ne nais pas de nouveau. Ton existence n'aura pas de sens si tu ne nais pas de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras jamais respecter la parole. Si tu n'honores pas cette parole, il ne peut pas te donner sa parole à lui prophétiser ou révéler. Si tu n'as pas entendu une chose qui est révélée pour toi, tu ne pourras pas entendre une chose qui a été réservée aux gens en particulier. Et si tu n'es pas là, tous les hommes moins ne créeront pas une explosion de miracles. Donnez-leur existence là-bas. Ça va venir. Déposez ça sur la table. Oui, la chair. C'est pour eux. Alléluia. Amen. Qui m'a suivi? Qui comprend ce qu'on entend de dire? Dans la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose, tu es entré là. Non, c'est une chose où on monte. Jusqu'à ce qu'on vit ça. On est au 15e. Déjà mon esprit. Une volonté souhaitée. Un homme loin arrive. Il te regarde. Vous avez déjà remarqué quand on venait à l'église,
C'est comme si le pasteur ne voit pas tout le monde. Pourquoi on ne voit pas tout le monde? Ce qui fait qu'on te voit, c'est que tu es déjà en train d'entendre des choses que Dieu t'a réservées. Des choses qu'il a réservées, pardon, à des gens précis. Tu feras partie de ceux qui bougeront le Congo. Ceux qui, quand il dit les ceux qui là, donc c'est un groupe réservé. Dès qu'un homme de Dieu arrive, lui-même étant un homme qui est réservé, il ne voit pas tout le monde. Il va seulement sentir ceux qui sont à ce niveau ici là. C'est trois niveaux ici. À partir d'écouter la volonté de Dieu pour ta vie, la prophétie, et commencer à les réserver, il pourra commencer à souhaiter. Et si on t'a déjà souhaité par ton père quelque chose, ton pasteur, un autre quand il viendra, il va te souhaiter la même chose. Vous allez remarquer que tous ceux qui vont venir après vont souhaiter la même chose. Tu es à la porte de la volonté de Dieu particulière de ta vie. Septième volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la volonté de son conseil. La Bible dit, Éphésiens 1:11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestiné, suivant quoi? La résolution de celui qui opère toutes choses d'après quoi? Les conseils de sa volonté. Le conseil de sa volonté. C'est le programme de Dieu qui détermine les enjeux. Ces enjeux sur les enjeux sur terre. Ouais, quelque chose comme ça. Le programme de la volonté, le conseil de sa volonté, c'est une grande réunion. Dieu dit aux anges, cette personne va vivre ça. C'est dans le conseil de sa volonté que Dieu parle des souffrances que vous devez vivre. Dis à ton voisin, lis la suite. Je prends acte 87. Acte 87. Alléluia. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as quoi? Ouais. Jésus était comment? Mais il était aussi saint. Malgré saint et ouin, regardez. Et en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as, ouin. Hérode et qui? Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté. Le conseil de sa volonté choisit même vos ennemis. C'est le conseil de la volonté de Dieu qui a dit, je décide que Israël aille en Égypte. Je suscite un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Il les fera souffrir. 2 ans après, tous ceux qui monteront en montagne, 2 ans après, je ne les exaucerai pas. J'attendrai 400 ans. Ça s'appelle la volonté de Dieu. Quand
C'est un jour de fête. Tu es né. Quand ça commence, tu découvres Jésus. C'est la joie. Quand ça commence, tu apprends les écritures. Tu vois même quand tu dis, quand tu fais tic, c'est tac. Quand ça commence, on te dit toujours des prophéties qui dépassent tes problèmes. Aucune prophétie n'aime te dire les vrais problèmes. Non, toujours des belles choses. Des bonnes choses, oui ou non? Quand ça commence, hey, tu vas commencer à entendre, bon, mais pour toi, tu feras partie du réveil de cette nation. Là, tu vois la chambre change. Quand ça commence, les sommes de Dieu qui te voient à chaque fois, non, mon ami, toi, c'est le colonel. Je vois quelque chose de ma fille, écoute, toi, je veux, tu as vis ça, tout ça. Alléluia. Je raconte au frère, un monsieur est venu à la maison. Il me dit, papa, ma femme, on a décidé qu'elle ne travaille pas. Parce qu'il y a un chef qui a dit qu'il ne faut pas qu'elle travaille. On a changé de chef. Vous connaissez cette histoire de changer de chef, là, non? On change de ministre et tout ça. Celui qui vient, vient avec 15 personnes. Viens même avec 114. Amen. Même avec 203. Virgule. Dieu. Yahweh. Touchera pas les siens. J'ai dit au monsieur sous l'onction, Dieu me dit de te dire, ta femme, malgré les 15 personnes, on va l'engager. Un autre boulot maintenant. Il était, je ne sais pas, 13h. Le monsieur sort. Boule fille. On l'appelle. Chérie. On vient de m'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est bon. Dieu est bon. Le souhait de son serviteur a accompli ce que Dieu avait réservé pour cette femme. Selon les prophéties dites à son sujet. D'après sa marche, selon la parole. Car c'est une enfant de Dieu qui a un sens sur cette terre. Dès que tu dis ça,
appelles sa famille Baolokanga. Ça s'allonge. Dieu a dit, je sors le peuple après 400 ans. Moïse dit, toi, Égyptien, viens ici. Non, l'on l'a pas, non, Babi, man Égypte. Tu veux manipuler le programme? Ça s'est tiré. Yes, Molaï. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. C'est une université. Et ça dit que là, si sur ta vie, bon, bon, moi, tu ne peux pas te distraire. Alléluia. Amen. Le procédé l'engue qui va t'emmener là-bas. C'est là où il y a un. Vous avez entendu, Dieu a dit Toyoka Awanzambalobi. Toute la communauté l'isangani que nous sommes, Oyotosali. Dieu te dit Zambalobi. Vous êtes maintenant vous assis dans la communauté. Compassion. Ce que ton oreille ne peut pas entendre, ça sort seulement ici là. Maintenant il faut dire oui, j'y crois. Tu sens toutes les larmes de ton corps couler. Mais tu dis je sais que c'est plus fort, c'est ça. Si tu dis non, une Bible que tu n'ouvres pas. La Bible au fond, un Dieu que tu pries quand tu es malade. Tu t'assois pour juger le conseil de sa volonté. Hey! Tu es qui? Ozanani. Oh, le pasteur là. Moi, je vais choisir un autre pasteur. Hey, les pasteurs sont choisis dans le conseil de sa volonté. Que tu l'aimes ou pas. Dieu a décidé que c'est ton pasteur. Vous me suivez? Amen. Il était saint. Azala ki boule. Il était loin. Azala ki malgré ça. Kasi atako yango. Dieu a dit que Hérode, quand Dieu te choisit pour de grandes choses, il choisit aussi tes ennemis. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a suscité Pharaon à dessein. Kolo abimisi Pharaon. Hello. Amen. Ah, le jour où tu es né. Mukolo botama. Quelqu'un est né. Ou bien quelqu'un t'attendait. Ou quelqu'un viendra. Son but à lui, c'est de te pousser à entrer là où personne ne peut accepter. Tu crois que ta maman te veut ton bien? Qui croit que ses parents veulent son bien? Que Dieu aille dire à ton père, meurs aujourd'hui pour que ton enfant vive longtemps. Au nom de Jésus, n'a pas mis les minous, maman, koufa. Le conseil de sa volonté, c'est là que Dieu décide le nombre d'années de vos souffrances. Tu feras 2 ans de stérilité. Monte, descend, chute. Vois les hommes de Dieu. On peut te souhaiter ce qu'on veut. Là, Kuna, c'est le conseil qui a décidé. Quand on arrive à être souple, à faire ça, frère, vous êtes entré à un endroit où les démons n'existent plus. Je vous dis, il y a des gens quand ils dorment sans prier, il y aura des problèmes. Mais il y a des jours où malgré qu'on a tellement prêché, on rentre à la maison, on n'a même pas le temps de prier, on dort. Et tu as même un rêve glorieux. Dieu ne a qui peut écouter que tu pries ou pas. Tu es déjà dans un monde là où Satan n'existe pas.
pas. Satan dit à Jésus. Satan Jésus dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Lèvons-nous, partons. Oh, quel calme. Même pas n'a pas mêlé, n'a télé mêlé. Comment Jésus n'attaque pas? Parce qu'il était déjà arrivé à un domaine où vous pouvez attaquer. La Bible dit que l'on multiplie les attaques. Baba qui s'habite, vous ne serez pas atteint. Et que Simba yote. Yamaroso. Alléluia. Amen. C'est à cet endroit-là na où Dieu décide la durée du désert. Ko umela ya esobe ya moto. La volonté de Dieu, mokano c'est nzambe. La volonté de Dieu. Ezali mokano ya nzambe. Si vous voulez prendre une autre forme que cette bouteille, so ke lingo soit le lingue mosusu na esika mola gueule. On doit vous passer dans le feu. Esengeli ba lekisa osusu na moto. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ces bouteilles ici? Omoni molangue. Quand on les recycle, tango ngo bandela yango. Quand on les brûle encore. If esengelo tumba yango lisusu. Quand ça sort, tango ebimi. Tu ne verras même plus ce visage. Okomona ngo lisusu lo lenga boete. Dieu n'a pas l'intention de t'utiliser avec tes défauts là où il veut t'utiliser. Non. Il a un programme sur la terre qui constitue à je touche ici pour que celui-là soit sauvé. Donc, dans le programme de Dieu, demande le visa comme tu veux. Toi, tu dois épouser un Congolais qui est au Congo. Yo esengelo ba la Congolais azala na Congo. Maruba elelele. Visa refusé. Au bon de l'oeil. Santa Maria Chouka. Visa. Visa refusé. Et après un jour, je rends grâce à Dieu. Si j'avais voyagé, j'allais rater ma visitation. C'était prévu dans le conseil de Dieu. La Bible dit, pour faire, Dieu a choisi ces gens-là. Pour faire tout ce que sa main, et son conseil avaient arrêté d'avance. Donnez-moi, dites avec moi David. David. Encore une fois. David. Il s'appelait David. Il a manipulé la volonté de Dieu. Il s'est levé un jour dans sa chambre. Tintin. 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 C'est une jolie femme là-bas. La femme se déshabille. David fait, oh. Oh là là. Oh là là. Mm. Il regarde. Il a oublié que lui aussi, on le regarde. Vous là, qui regardez, n'oubliez pas. On vous regarde. Il regarde. Il est tombé amoureux du corps de qui? De la femme. Quelle femme? Hey, alléluia. Amen. Alors il demande qu'on l'appelle. Suivez bien cette histoire. Sa femme vient. La femme du militaire là. Vient. Il la prend. Il dit bon. Il faut que j'éloigne. Cette personne n'était pas dans la volonté de Dieu. David a été comparé à Jésus. Salomon. Donc il était le roi choisi depuis la création par le conseil de Dieu que personne ne pouvait savoir. Mais David a abîmé le plan. Quand on abîme le plan, on fait tuer les membres de notre famille. Hey! Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu aimes ce garçon-là? Ne fais pas yakatofanta. Les amis que tu auras en premier de ce garçon qui est censé être ton époux. La grossesse que tu auras de ce garçon qui devrait être. Vous avez manipulé le programme. Au tambolissi mabongi sianzambi. Un mort. Koufa. Il faut un échange plus tard. Et sengeli opopesi. Cet échange-là peut devenir
la galère. Et quoi que comme passe. Ton mari a zoa comme salade. Mon bali na yo ne trouve plus du travail. Ta femme malade na malade. Moi si na yo tout. Oui bon fou Danine. Moi ne faut akufa. Vous êtes en train de payer l'enfant qui devait mourir. Vous êtes toujours là? Bossa kakawa. Vous êtes toujours là? Le conseil de sa volonté. Likita yamokanonae. Qui a compris ces choses? Nani asosoli. C'est là-bas. Ezali awa. Que Dieu cache. Denkolo abombi. Le vrai toi. Yo oya solo singelo koma. Le vrai toi. Yo oya solo singelo zala. Alléluia. Amen. C'est là-bas. Ezali awa. Que Dieu cache. Denkolo abombi. Le vrai toi. Yo oya solo singelo zala. Mais il te faut passer les étapes. Si tu réunis une seule étape. Ce qui obouille éteint moko. Que j'explique? Que j'explique? Alléluia. Amen. Personne Motote ne pouvait empêcher. Akoka kia pima. Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est Wamulumba lui aussi? Non. Etienne Tshisekedi Chilombo. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo d'être président. Mon côté. Pas parce que je suis Kasaïen. D'ailleurs, je ne suis même pas Kasaïen. Exactement pour nous. Toi-même, tu sais que je suis Mukongo, n'est-ce pas? Je suis Swahili, n'est-ce pas? Quand les Sud-Africains me voient, ils savent tout ce que je suis loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini Salemaki. Comment on n'a pas pu empêcher ça? Ninginito, kanga ki yangote. Je vais vous expliquer. Yoka. Si dans ta marche, soko na etambole, tu as méprisé ça. Parce que quitter la de quitter. Pamba. Tu peux devenir ça. Okoki okoma awa. Mais. Kasi. Tu le deviendras. Okokoma yango. Sans accomplir la raison pour laquelle tu devais le devenir. Tango okokoma kuna okokoki sa tenime. Tu vois votre PDG. Ah. Dieu voulait qu'il soit PDG. Tamba linga kaza la penza PDG. Mais le vrai plan. Kasi ma bongi sia solo. Cet homme devait aider d'autres personnes qui devaient venir sur cette terre à connaître Dieu. C'est pourquoi quand tu abandonnes Dieu, il y a des gens qui ont abandonné Dieu. Vos commerces ont continué à avancer. Parce que là, papa, pourquoi? Le conseil de sa volonté peut continuer à t'utiliser et après te jeter dans le feu. C'est là où Dieu dit. Dieu a fait tout pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Ne blaguez pas avec ça. Ne blaguez pas avec ça. Pasteur est contre moi. Je ne suis pas contre toi. Laisse ce garçon-là. Laisse cette fille-là. Car tu veux bouger le conseil de sa volonté. Donne un amen au Seigneur. Amen. Qui connaît Israël Kazadi? Israël Kazadi. Où est-ce qu'il est? Azawapi. Où est Israël? Où est Israël? 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 Israël Azawapi. Il y a quelques jours. Il est qui mon Mikolo? C'est un jeune frère. Aza ilenge koto. Très jeune garçon. Ilenge mobile. Très très jeune. Mm. Ce garçon mm. est ici tous les jours. Azalaka Mikolo. Il ne se plaint jamais. Alelakate. Alléluia. Amen. Il fait son émission à la radio, il ne se plaint pas. Mm. Vous savez ce qui est arrivé à Israël Kazadi? Oui, un homme rencontre papa Bobo en route. Et dit à papa Bobo. Je cherche un leader pour mon église. Papa Bobo lui dit, je ne vois pas qui. Mais si vous voyez le pasteur Lévi. S'il vous dit quelqu'un, il vous dira Israël Kazadi. L'homme là passe papa Bobo. Pasteur, je veux vous voir. Il vient à la maison. Je cherche un leader. Moi je lui dis, la seule personne qui est claire dans mon esprit. Là. Parce que frère, dans le thème d'élévation, on n'élève pas le fort.
On élève le fidèle. Je dis au monsieur, je n'en vois qu'un. Israël Kazak. Il dit, qui? J'ai dit Israël Kazak. C'est le même nom que ton fils m'a donné. Alors moi je dis, bon, je vais d'abord en parler. En réunion, j'appelle les pasteurs. Je fais la même chose. Il faut qu'on trouve un frère et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez et tout ça, non, Israël, c'est le bon choix. Ah, Israël, c'est le bon choix. C'était le vendredi au culte ici. Vendredi, ah. On a dit, Israël, viens au bureau. Il est entré. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Assieds-toi. Fanda. Il y a une église, Église qui existe. Izalaka déjà. Qui manque de pasteurs. Bazangi dès demain, tu deviens le pasteur. Israël tombe. Akwey. Pleure. Abandolela. Pleure. Abandikolela. Il regarde son âge. Atalimbula. Il regarde la gloire. Atalikembo. Il pleure. Abandolela. On lui dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Il a dit une bonne phrase là, mais il est très intelligent. Il a bien répondu. Après, il s'est mis à parler. Il pleurait. Il essuyait ses larmes. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu dimanche. Pendant que je vous parle, on le lève dans une assemblée en lui disant, celui-ci est votre pasteur assistant. Mm-hmm. En un jour, le conseil de sa volonté l'a imposé, l'a établi. Tu peux te lever dans les ténèbres, l'attaquer. Il est établi. Parce que pendant qu'il était avec nous, nous lui avons souhaité du bien. Parce que ce frère était spécial. Pendant qu'il était avec nous, il a entendu Dieu lui dire quelque chose qui lui était réservé. Va faire les émissions à la radio. Pendant qu'il était avec nous, nous avons prophétisé sur lui. Pendant qu'il était avec nous, il respectait les écritures. Pendant qu'il était avec nous, nous avons vérifié son salut. Aujourd'hui, il trouve un sens à son existence. Ça fait beaucoup d'années que je suis serviteur de Dieu. Chrétien. Mon Christopé. Mais je peux vous assurer, marcher avec Dieu, c'est une grande école. Ayez le cœur patient. Patientez. Allez-y étape par étape. Il y a un plan qui vous attend. N'insultez pas Dieu. N'insultez pas le jour de votre naissance. Vous êtes ici pour un but. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai. Ensemble, église, chantons. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai eu.
un chant. Dans le couplet, on dit, dans, je crois que c'est ce chant. Je ne sais pas si c'est ça ou un autre. J'écouterai ce que dit Dieu. Car il est grand. Qui connaît ces paroles-là? Il est grand pour ceux qui l'écoutent. Je veux un chanteur qui peut chanter. Les gens ne connaissaient pas ça. Vous êtes nés de nouveau trop tard. Même pas autant d'exode. On peut essayer. J'écouterai ce que dit Dieu. Car il prends les paroles. Vas-y. Car il est grand pour tous ceux qui l'écoutent.